Si est une nouvelle qui a sûrement enchanté l'ensemble de la famille royale britannique. Ce mardi 24 janvier, la princesse Eugénie d'York, fille de Sarah Ferguson et du prince Andrew, a annoncé via des confidences auprès du journal anglais The Sun et une publication sur Instagram être enceinte de son deuxième enfant. Celle qui est déjà devenue maman en février 2021 d'un petit garçon prénommé August n'a cependant pas apporté plus de précisions, ni sur la date exacte prévue du terme, ni sur le genre attendu du Royal Baby. Du côté de Buckingham Palace, un communiqué a également été émis, où il est précisé que, la princesse Eugénie et M. Jack Brooksbanks sont heureux d'annoncer qu'ils attendent leur deuxième enfant cet été. La famille ravie et August est très impatient d'être un grand frère. Si sur Instagram, la mère de la princesse Eugénie s'est dit au paradis des grands-mères après cette nouvelle, il reste cependant un léger bémol dans cette annonce heureuse. La précédente grossesse de la princesse Eugénie a connu quelques complications, notamment lors de l'accouchement, à la suite de la scoliose de la compagne de Jack Brooksbanks. Un problème de santé qui avait contraint la princesse à donner naissance à son petit August par césarienne mais qui heureusement s'était déroulé sans séquelles. Désormais prévenue de ces risques, la princesse devra prêter attention dans les prochains mois aux risques qu'elle encourt avec ce problème de santé et les solutions qui s'offrent à elle pour que la future naissance de son enfant se déroule dans les meilleures conditions possibles. Eugénie d'York, retour sur son évolution physique. Eugénie d'York, elle peut compter sur sa mère pour l'épauler. L'une des personnes les plus heureuses suite à cette annonce de grossesse est sans conteste Sarah Ferguson. La mère des princesses Béatrice et Eugénie est déjà grand-mère par deux fois et va bientôt le devenir une troisième fois. Dans ce rôle, l'ex-compagne du prince Andrew excelle et se plaît à jouer et s'occuper de ses petits-enfants, August et Sienna, la fille de la princesse Béatrice. Ne reste plus qu'à attendre pour elle que le troisième bébé vienne pointer le bout de son nez. Crédit photo, agence.